un homme qui suit la parole. On dit, au secours, tu as entendu ce cri. Amen, amen. Ce cri de détresse, tu l'as entendu. Mais il vient d'où? Quand tu vas voir d'où il vient, c'est qu'il y a un homme qui est en détresse à ce niveau-là. Amen. Car le cri vient de quelqu'un. La parole vient de quelqu'un. Alléluia. Il n'y a qu'une source, il n'y a qu'une origine. La parole ne sort pas comme ça. Elle vient de quelqu'un. Dieu a parlé à Moïse au travers du buisson. Moïse a entendu la voix. Amen. Il a regardé, il a vu un puissant ardent. Ce n'est pas le puissant qui lui parlait, mais c'est Dieu au travers du puissant qui lui parle. Dieu est invisible. Colossiens 15. Dieu est invisible. Alors on ne le voit pas, mais on l'entend. Pour qu'il soit visible, alors il prend un corps. Vous comprenez? Pour que Dieu soit visible, il prend un corps. Parce que Dieu est invisible. Alléluia. Colossiens chapitre 1, verset 10. Luc 17. Vas-y, verset 30, verset 30. Oui. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Dis à ton frère, il faut aimer la parole. Frère, ce que vous ne savez pas, c'est que tout a été fait par là. Tout a commencé par la parole. Et tout finit par la parole. Mais pourquoi vous n'aimez-vous pas la parole? Amen. Mais tu connaîtras la vérité et la vérité d'avancer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là où il n'y a pas la parole, il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a rien. Je veux la parole. Je veux la parole. Oui. Colossiens 1, chapitre 15. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Que veut dire Dieu invisible? Dieu qu'on ne voit pas. Alléluia. Dieu est invisible. Mais on doit le voir. Or, quiconque voit Dieu meurt. C'est pourquoi Dieu est invisible. Alléluia. Alors que Dieu soit au milieu des hommes, il prend l'apparence d'un corps. Alors il devient la parole faite chair. Alléluia. Le Dieu que vous présentez à adorer est en lui-même la parole. Mais on entend, mais on ne le voit pas. Car il est invisible. Alléluia. Tu dis Dieu, 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 d'accord. Tu pries Dieu, d'accord. Mais le Dieu que tu pries là, son nom est la parole. Est-ce que tu es cet homme-là qui suis là? Parole. Quelle est cette parole? Qui est cette parole? Et quel est cet homme? Es-tu cet homme? Un homme qui suit la parole. Je suis la parole. Mais qui es-tu? Et quel est cet homme? Parole. Un homme qui suit la parole. Alléluia. Amen. Un homme qui suit la parole. Où sera le corps? Là, ça selon les cèdres. Qui est alors ces cèdres qui doivent se rassembler autour du corps? Alléluia. Amen. Les zèbres, ce sont des oiseaux. Alléluia. Qui ne mangent pas des animaux morts. Alléluia. Ils tuent le corps, ils tuent l'animal. Et ils le mangent vivant. Alléluia, frère. Alléluia, ils le mangent frère. Alléluia. Alléluia. Alors ces zèbres, elles disent ce qu'elles mangent. Ils disent ce qu'ils mangent. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Alléluia. Ils mangent exactement ce qu'ils veulent manger. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils se nourrissent de la chair et du sang. Les aigles. Amen. Amen. Mais où est alors le corps? Et qui est ce corps autour duquel les aigles doivent s'assembler? Les disciples ont dit au Seigneur. Mais dites au Seigneur. Ça sera pour exactement. Pour que nous puissions nous apprêter. Afin que nous allions à cet endroit-là. Dis à ton frère, quel est cet endroit? Parce qu'il a dit, ça sera à un endroit. Il leur pose la question, mais c'est où cet homme? Où est-ce que ceux qui te suivent là doivent se réunir? Vers qui ceux qui te suivent vont aller? Dans quelle direction ils doivent s'orienter? Ça sera où? Le Seigneur a dit, ça sera là où sera le corps. Mais rappelez-vous des paroles du Seigneur qui disait, celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang n'aura pas la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut manger le corps du Seigneur. Alléluia. Manger sa chair et boire son sang. Amen. Amen. Celui qui ne mange pas la chair du Seigneur et qui ne boit pas son sang ne pourra pas avoir la vie éternelle. C'est un langage que les hommes ne peuvent pas comprendre. Il a fait la révélation. Quand le Seigneur disait, mangez ma chair, le Seigneur ne s'adressait pas à des hommes normaux. Mais il s'adressait à des hommes spirituels. Alléluia. Semblable à des zèbres. Il disait, seulement ceux qui sont des zèbres parmi vous comprennent.
prendrons mon langage. Pourquoi? Parce que l'air à l'œil ne sera pas à votre niveau. Il ne sera pas à votre niveau, non. Parce que l'air est l'animal et l'oiseau qui volent plus haut. Alors, en tant que les aigles, vous allez voler encore plus haut. Parce que vous allez chercher à comprendre la profondeur de cette parole. Alléluia. Alléluia. Alors, seulement les aigles pourront manger du corps de Jésus et pourront boire du sang de Jésus. Seulement des aigles. Ce n'est pas des vautours, non. Ce n'est pas des corbeaux, non. Alléluia. Ce n'est pas des moineaux, non. Ce ne sont pas des charognards, non. Mais c'est seulement des aigles. Tiens, ton frère, les aigles. Alléluia. Alléluia. Un homme qui suit la parole. Qui est cet homme qui doit suivre la parole? Qui est cet homme? Est-ce que tous peuvent suivre la parole? Quand Dieu te dit non, tout le monde ne peut pas suivre la parole. Tout le monde ne peut pas suivre la parole. Seul les aigles. Alléluia. Alléluia. Ton Dieu te compare à un aigle. Ton Dieu te compare à un aigle. Parce que tu dois voler plus haut. Amen. Tu dois être plus coriace. Alléluia. Alléluia. Quand tu attrapes, tu lâches pas. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois avoir un caractère dur. Un caractère de fidèle. Alléluia. Alléluia. Et marcher dans la présence de ton Dieu. Amen. L'air. Seul l'aigle pourrait manger la chair et le sang. Et c'était qui? Les fils et les filles du roi. Amen. 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 On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Un homme qui suit là, il a dit, celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang. Mais ce Jésus-Christ qui parlait, c'était qui? Selon Jean chapitre 1, que nous avons lu. Jean chapitre 1, 1 à 5. Qu'est-ce qu'il a dit? Au commencement était là. La parole était faite. Au commencement de la parole était avec Dieu. Alléluia. Elle était Dieu. Elle a fait toutes choses. Mais cette parole a été faite chair. Cette parole a été faite chair. Cette parole a été faite chair. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? La parole est devenue un être humain. Tout qui est alors Jésus-Christ. La parole de Dieu faite chair. La parole, on ne la voit pas. Mais on entend. Pour la voir. Dieu a décidé de créer un corps appelé Jésus, qui est la parole faite chair. Un homme qui suit là, on ne voit pas la parole, on entend. Amen. Mais pour la suivre, il faut la voir. Quelqu'un le comprend? On peut avancer? Oui. On peut avancer? Oui. On prend encore l'exemple de celui qui est en détresse. Tu entends un cri de détresse quelque part. Tu entends le son. Tu cherches à savoir d'où ça vient. Et quand tu as localisé l'endroit, tu te diriges vers l'endroit pour voir qui est en détresse. Amen. 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 Donc la voix t'a permis de pouvoir toucher le corps. Un homme qui suit la parole. Quand un homme suit la parole, il a entendu quelque chose. Mais il doit découvrir le corps. Un homme qui suit la parole. Qui est cet homme? Un aigle. Il vole haut parce qu'il doit voir bien. Amen. Il doit voir bien. Et voir exactement tout ce qu'il y a à l'intérieur. Un aigle. Plus il mieux il en voit. Un aigle. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est toi, cet aigle. Regardez comment le Seigneur est venu à ses disciples. Regardez comment le Seigneur les a appelés. Regardez comment le Seigneur les a cherchés. Car c'est lui qui vient chercher et trouver ce qui est perdu. Lui et lui seul. Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais Saul de Tarse était un homme difficile. Alléluia. C'était un homme difficile. Alléluia. Il persécutait l'église de Dieu. Il persécutait l'église de Dieu. Il recevait des lettres pour aller lier légalement tous ceux qui suivaient la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Et les ramenait au Sanhédrin afin qu'ils soient mis à mort. Alléluia. Tel fut le cas de qui? De Étienne qui était lapidé. Parce qu'il prêchait sur lui-même. Est-ce qu'on ressent? Amen. Est-ce qu'on ressent? Amen. Un homme qui suit la parole. Quel est cet homme qui suit la parole? Amen. Et qui est cet homme? Oui. Acte 9, verset 1 à 18. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre
seul respirant encore la menace et le meurtre. Quand les disciples du Seigneur se rendirent chez le souverain sacrificateur. Attends. Seul respirant encore la menace et le maître. Attends. Il respirait la menace et le maître. Seul était qui? Un meurtrier. Alléluia. Seul de Tarse, appelé Paul, était un meurtrier. Alléluia. Il respirait encore cela, la menace et le maître. Son rôle, c'était de menacer l'église de Dieu. Amen. Et de la mettre à sang. Oui. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Oui. Afin que, oui, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine. Afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine. Attends, frère. Afin que, s'il trouvait les partisans de la nouvelle doctrine. Oui. Hommes ou femmes. Hommes ou femmes. Il les amène liés à Jérusalem. Il les amène liés à Jérusalem. Mais qui sont les partisans de la nouvelle doctrine? Alléluia. Et pourquoi, à son temps, on qualifiait l'évangile de la nouvelle doctrine. Amen. Quand vous prêchez aujourd'hui, les gens ont l'impression que ce que vous dites là, ça tombe du ciel. Alléluia. Amen. Ou du moins, on ne sait pas d'où ça vient. Parce qu'on n'a jamais entendu cela. On ne fait pas ça ailleurs. Mais pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi vous prêchez comme ça? Alléluia. Amen. Mais ça, là, c'est bizarre. Est-ce que c'est la vérité même? Dis à ton frère, la nouvelle doctrine. La nouvelle doctrine. Amen. Ce que les hommes ne connaissent pas, ils qualifient cela de nouveau. Mais en réalité, on ne fabrique rien. On dit exactement ce que les gens ne veulent pas voir. Donc, c'est nouveau. Amen. Quand on lit, on dit, mon frère, vous lisez trop. Vous parlez trop des écritures. Alléluia. Vous parlez trop des écritures. Mais justement, c'est parce qu'on ne vous a pas habitué à cela. Et quand tu entends ça pour la première fois, tu dis, c'est... Dis à ton frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Les partisans de la nouvelle doctrine. Est-ce que vous êtes des partisans de la nouvelle doctrine? Amen. Est-ce que vous avez créé une nouvelle doctrine? C'est une ancienne doctrine, mais que les gens ne veulent pas accepter. Amen. Mais vous êtes là. Tu es présent. Tu es présent. Ton devoir aujourd'hui, c'est de battre afin que cette doctrine soit connue. Amen. 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 Mais tant que tu vas rester chez toi à la maison, tant que tu vas rester à te contenter de ce que tu as, de ce que tu es, tu ne travailleras jamais à cela. Amen. Amen. En ne le faisant pas, tu es en train d'être ennemi de Dieu. Car quand les gens sont venus à Jésus-Christ, il a dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon père? Mais toi, de quelle affaire t'occupes-tu? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es préoccupé à faire ton commerce, aller à ton travail, à t'occuper de ton foyer, à t'occuper de ta plantation, de tes activités. C'est une bonne chose. Mais quelle est la place du Seigneur? Dis à ton frère, quelle est la place du Seigneur? Quelle est la place du Seigneur? Alléluia. Amen. Même quand tu es assis, même quand tu es assise, c'est ton business qui est dans ta tête. Dis à ton frère, quelle est la place du Seigneur? Quelle est la place du Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la place du Seigneur? Oui. Comme il était en chemin. Comme il était en chemin. Et qu'il approchait de Damas. Et qu'il approchait de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel. Une lumière venant du ciel. Écoutez bien. Resplendit autour de lui. Oui. Il tomba par terre. Oui. Et il entendit une voix qui lui disait. Il entendit une voix qui lui disait. Saul, Saul. Saul, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Mais pourquoi tu me persécutes? Il répondit. Attends mon frère. Qui est en train de parler? Qui est en train de parler? Jésus-Christ est en train de lui parler. Alléluia. Amen. Mais il a entendu la voix. Mais il ne voyait personne. Alléluia. Amen. Il a entendu la voix. Mais il ne voyait personne. Oui. Il répondit. Il répondit. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit. Le Seigneur lui dit. Je suis Jésus. Je suis Jésus. Que tu persécutes. Que tu persécutes. Il te serait dû de. Mais attends, frère et soeur. Est-ce que Saul et Tarse persécutait Jésus-Christ? Qui est-ce que persécutait? L'Église. Les partisans dans le nouvel ordre. Alléluia. Saul et Tarse persécutait l'Église. Mais quand le Seigneur l'a rencontré sur la route de Damas, le Seigneur lui a dit, mais pourquoi me persécutes-tu? Il n'a pas dit, mais pourquoi persécutes-tu l'Église? Alléluia. Alléluia. Et donc, je suis. Pourquoi me persécutes-tu? Mais Saul est étonné. Mais depuis quand moi j'étais promu? Depuis quand moi j'étais allié, j'étais attaché, est-ce que je t'ai persécuté? Mais le Seigneur lui a dit, tu me persécutes. Parce que si tu as persécuté l'Église, c'est moi que tu as persécuté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car
sur la tête. Alléluia. Sol et taf. Pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Un homme qui suit la parole. Oui. Il te sera dur de régimenter contre les aiguillons. Ça sera difficile pour toi de résister à cela, à cette puissance de pouvoir. Oui. Tremblant et saisi d'effroi. Oui. Il dit. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais Seigneur, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu pour la question? Sors de ta spiti, qui es-tu? Il dit c'est moi. Moi que tu persécutes, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et en ce moment précis, il est désarmé. Parce que le Seigneur lui dit, tu ne pourras plus résister. Tu ne pourras plus résister. Donc comme vous pouvez le dire, tu es fait. Alléluia. Sors de ta spiti. Seigneur, que faut-il que je fasse? Et non qui suis là. Alléluia. Amen. Parce que toi qui poseras la bonne question, toi qui iras dans la bonne direction, tu n'es pas inconnu du Seigneur. Non. Ton Dieu te connaît avant que tu naisses. Il sait où il va te trouver. Et il sait à quel moment il va te désarmer. Alléluia. Amen. Son état a été désarmé. Pourquoi? Parce que Dieu l'a rendu aveugle. Alléluia. Mais toi, qu'est-ce qui t'a paralysé? Qu'est-ce qui t'a désarmé? C'était une situation difficile que tu traversais. Alléluia. C'était un problème, une maladie. C'était une ignorance. C'était une situation dure devant laquelle tu t'es pointé. Et à ce moment précis, tu as entendu une parole te dire, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi résistes-tu? Pourquoi veux-tu aller dans la mauvaise direction? Alléluia. Alléluia. Mais tu as posé la question à ton Dieu. Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Alléluia. Parce que si tu ne poses pas la question de Dieu, tu n'auras pas la bonne réponse. Que faut-il que je fasse? Un homme qui suit. Oui. Et le Seigneur lui dit. Le Seigneur lui dit. Lève-toi. Lève-toi. Entre dans la ville. Entre dans la ville. Et on te dit, dira ce que tu dois faire. Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui. Non. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Dis à ton frère, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Vous savez pourquoi? Dieu est Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu. Il vient, il parle à son état. Son état voit une lumière. Amen. Amen. Mais il ne voit personne. Il entend une voix audible qui lui dit, mais pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais Seigneur, que faut-il que je fasse? Mais ce que tu as commencé, il faut terminer. Alléluia. Amen. Et Dieu lui dit, rentre dans la ville. Tu es là à Damas, non? Oui. Tu vas t'allier des gens, non? Oui. Maintenant, encore rentrer là-bas. Faut plus régler. Continue. Alléluia. Tu vas aller quelque part. Trouver un homme appelé Ananias. Alléluia. Celui-là, quand tu le rencontreras, il te parlera. Il te posera les mains. Et tu auras la vie. Alléluia. Va vers un homme. Va vers un homme. Dis à ton frère, va vers un homme. Va vers un homme. Un homme qui suit ta parole. Amen. Alléluia. Amen. Dieu le rencontre. Mais Dieu ne cachait pas ce qu'il a commencé déjà au travers de la lumière. Mais il envoie vers un homme. Dis à ton frère, un homme qui suit la parole. Un homme qui suit la parole. Alléluia. Amen. Donc à Damas, va rencontrer cet Ananias. Il te parlera. Il t'imposera les mains. Et tu te dira quoi faire. Un homme. Dis à ton frère, un homme. Un homme. Alléluia. Amen. Tu pries Dieu, c'est une bonne chose. Tu sais que c'est une bonne chose, mais est-ce que tu sais comment c'est Dieu qu'on ne voit pas? Est-ce qu'on aime votre enfant? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix. Ils entendaient bien la voix. Mais ils ne voyaient personne. Mais ils ne voyaient personne. Et pourtant, on doit voir un être humain. Alléluia. Ah, celui qui voit Dieu meurt. Pour être vu, pour être entendu au travers des corps. Tu as trouvé un homme qui suit la parole. Un homme qui suit la parole. Oui. Sans se relever de terre. Sans se relever. Et quoique ses yeux soient ouverts, oui. Il
qui ne voyait rien. Tes yeux sont verts. Dis à ton frère, tes yeux sont verts. Tes yeux sont verts. Et tu es aveugle sans le savoir. Tu penses voir, mais est-ce que la lumière a frappé tes yeux? La lumière qui ouvre véritablement les yeux spirituels. Alléluia. Tant que tu marcheras dans la chair, tu seras un homme aveugle aux yeux ouverts. Alléluia. Tu verras beaucoup de choses, mais tu ne comprendras pas la profondeur de ce que tu es en train de voir. Parce que tu es un corbeau. Alléluia. Tu es une volaille, tu n'es pas un nègre. Ta lèvre, lèvre, a les yeux perçants. Alléluia. Amen. Avancé. Amen. Avancé. Amen. Restons ensemble. Amen. Oui. On le prie par la main. On le prie par la main. Et on le conduisit à Damas. On le prie par la main. Tiens, ton frère, on le prie par la main. On le prie par la main. Alléluia. Amen. Mon frère, viens, on va te conduire dans la ville. Parce que là, les choses sont faites. Mais tu es aveugle sans le savoir. Maintenant, c'est l'homme qui attend ta main. Allons-y. Rentrons dans la ville. Mais à ce lieu-là, quelque chose doit se passer. Et ça sera plus avec celui avec lequel tu rentres dans la ville. Mais ça sera toi avec celui que Dieu t'a destiné. Oui. Il resta 3 jours sans voir. 3 jours sans voir. Et il ne mangea ni de pain. Oui. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Nommé Ananias. Le Seigneur lui dit. Il y avait à Damas un disciple nommé à Ananias. Il y avait un disciple nommé à Ananias. Il y avait un chrétien à Ananias à Damas. Non. Il y avait un chrétien à Damas. Non. Il y avait un chrétien à Damas. Non. Il y avait quoi à Damas? Un disciple. Tiens ton frère disciple. Un disciple. Le Seigneur a dit, allez partout. Fais de toute nation des disciples. Fais de toute nation des disciples. Alors, toi qui as cette Seigneur, logiquement celui qui te voit, toi t'appelles le disciple du Seigneur. Tiens ton frère, un disciple. Un disciple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, venez sur les chrétiens. Tiens ton frère, un disciple. Un disciple. Sois chrétien, bon chrétien, chrétien, petit Christ. Dis à ton frère, Christ est notre frère aîné. Alors, si notre frère aîné, nous ne devons pas être petit Christ, mais nous devons être Christ. Car le nom du Père, c'est Christ, alors nous portons tous le nom Christ. Car Christ est notre frère aîné. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes fils de Dieu, fils d'adoption, par le Seigneur Jésus-Christ. Le Fils unique. On vient avec votre homme. Amen. Vous connaissez la vérité. Yeah! La vérité vous a franchi. Mais quelle est cette nouvelle doctrine? Dis à nos frères, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. C'est parce que les gens ne veulent pas écouter. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ce que tu as résolu, il le fera. Oui. Le Seigneur le dit. Le Seigneur le dit. Dans une vision. Dans une vision. Ananias. Oui. Il répondit. Me voici. Me voici. Seigneur. Oui. Et le Seigneur lui dit. Le Seigneur lui dit. Lève-toi. Va t'élever Ananias. Va dans la rue qu'on appelle à droite. Va dans la rue qu'on appelle à droite. Et cherche. Et cherche. Dans la maison de Judas. Oui. Un nommé Saul. Alors rapidement. Saul de Tarse. Oui. Car il prit. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Oui. Qui entrait et qui lui imposait les mains. Oui. Afin qu'il recouvre la vue. Afin qu'il recouvre la vue. Oui. Ananias répondit. Ananias répondit. Seigneur, oui, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à dessein dans Jérusalem. Seigneur, toi tu sais toutes choses. Mais moi j'ai appris que le monsieur que tu m'envoies là, c'est un maîtrier. Alléluia. Amen. Seigneur, tu sais toutes choses. Même quand les hommes disent, ils font ce que toi tu n'as jamais vu. Mais moi ça là, j'ai déjà vu. Le monsieur là, c'est un maîtrier. Alléluia. Amen. Et voici la réponse du Seigneur. Et il a ici des pouvoirs. Il a ici des pouvoirs. De la part des principaux. De la part des principaux. Sacrificateurs. Pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Donc pour attacher tous ceux qui invoquent ton nom. Pour empêcher de parler. Alléluia. Alléluia. Amen. De prêcher tous ceux qui invoquent ton nom. Alléluia. Mais si guère, les hommes ont voulu bâillonner. Alléluia. Tous ceux qui annoncent la bonne nouvelle, alors, comme ce qui était et ce qui sera, alors ne soyez pas surpris que la bonne nouvelle aujourd'hui soit encore sous-cette. Alléluia. Que la bonne nouvelle aujourd'hui ne soit pas entendue du monde entier. Parce qu'il y a des hommes qui travailleront à attacher cette bonne nouvelle.
le monde. Tous les apôtres hier qui prêchaient de cette manière ont tous été attachés, fouettés, tués, parce qu'ils voulaient arrêter les prédications de cet homme comme tel. Alléluia. Comment Jésus-Christ avait-il été tué? À cause de quoi avait-il été mis à mort? N'est-ce pas comme la bonne nouvelle? Alléluia. Parce que cette prédication est là, dérange. Les gens ne la veulent pas. Ça emmerde les oreilles. Ce n'est pas bon à entendre. Alors, pour empêcher la propagation de tel message, il faut tuer celui qui le porte. Alléluia. Ils ont commencé par le Seigneur. À 33 ans et demi, ils l'ont crucifié à la croix. Et ils l'ont tué pour l'empêcher de continuer le péché de cette manière. Alléluia. À la suite, il y avait les apôtres qui étaient également attrapés, emprisonnés et tués pour ne pas que ce message continue sa marche. Alléluia. Amen. Mais vous, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Amen. Amen. Vous taire pour continuer la marche. Alléluia. Amen. Vous taire pour continuer la marche. Je vous pose la question. Alléluia. Élie a commencé à pleurer. Il a commencé à se lamenter. Mais Seigneur, ils ont tué tout un prophète. Alléluia. Ils ont tué tout un prophète. Il n'en reste que moi. Hey! Il n'en reste que moi. Alors dis à ton frère, ils vont tout enlever. Ils vont tout tuer. Mais il restera forcément un seul homme et un seul qui sera encore présent. Alléluia. Amen. Or, s'il y a un qui est encore vivant, alors beaucoup peuvent naître. Car si la graine ne dort en terre et ne meurt, elle reste seule. Mais si elle meurt, alléluia, alors plusieurs sortiront. Amen. Donc Élie est encore vivant. Si Élie est encore vivant, ça veut dire qu'il y a encore l'espoir pour que ce message soit propagé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce Dieu a dit Élie, c'est vrai, ils ont tous fléchi de en bas devant la dénomination. Alléluia. Devant les catholiques, les protestants, les évangéliques, les orthodoxes. Mais il y a un groupe qui lui a été mis à part pour ne plus faire allégeance à ses déclinations. Alléluia. 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 C'est pourquoi toi, ne sois pas surprise, que tu acceptes cette prédication et que tu rejettes toutes les prédications des nominationnelles. Mais dis à ton frère, un nègre attend son temps. Un nègre attend son temps. Alléluia. Amen. Un nègre attend son temps. Un nègre attend son temps. Mais pendant que tous les autres sont en train de mourir, pendant que tous les autres sont en train de perdre leur bête, sont en train de perdre leur plage, lui, il dit, mon temps va maintenant commencer. Et c'est à ce moment précis que sa nouvelle prime commence à sortir. Et que son nouveau père commence à sortir. Car son temps commence là où s'arrête celle que lui fait sauter. Il est fidèle, il vole beau, mais il attend toujours son temps. Dis à ton frère, le temps de l'être. Le temps de l'être. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ne sois pas dans ton coin à dire, non mais attends, je suis minoritaire, je suis mis à l'écart, non les gens ne me rejettent, mais on doit te rejeter. Car la parole a été rejetée dès le départ. Le Seigneur Jésus-Christ a été rejeté par sa famille, par son entourage, par sa société. Pourquoi? À cause de sa prédication. Dis-toi aujourd'hui, tu as accepté, tu as adulé, tu as acclamé. Alléluia. Partout où tu passes, pose-toi la question. Qui t'a envoyé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Et non, je suis là, pardon. Voici cet homme, appelé qui soit les tasses. C'était un maître hier, mais quand le Seigneur a mis la main sur lui, voici ce que le Seigneur dit. Alors rapidement, verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il tomba de ses yeux. Comme des écailles. Comme des écailles. Et il recouvra la vue. Il recouvra la vue. Il se leva. Oui. Et fut baptisé. Il se leva et fut baptisé. Il se leva et fut baptisé. Il se leva et fut baptisé. Mais voilà qu'il était malade. Dès qu'il a recouvert la guérison, dès qu'il a recouvert la vue,
dois faire quoi? Ce n'est pas de t'abuser avec ta famille. Alléluia. Ce n'est pas de te réjouir. Parce que tu t'as avec depuis trois jours. Ce n'est pas de que tu vas tuer. Mais dès qu'il voit ses yeux s'ouvrir, il jette l'eau dessus. Alléluia. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, dès que tes yeux commencent à s'ouvrir, ne cherche pas loin. Cherche l'eau dessus. Par terre. Car hier, tu étais dans les ténèbres. Tu ne voyais absolument rien. Mais aujourd'hui, Dieu ouvre tes yeux par la splendeur de l'évangile. Et quand tes yeux commencent à s'ouvrir, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Ne fais pas comme la femme de l'autre. Va à l'eau dessus. Par terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cet endroit-là, il n'y avait pas de conditions. Ananias était juste là pour lui imposer les mains et pour l'emmener à l'autre du baptême. Dieu n'a jamais mandaté un prédicateur à aller distiller, à aller donner des bouts de baptême, mais a plutôt annoncé la bonne nouvelle qui dit que tu es un pécheur et tu as droit immédiatement au salut. Alors, va à l'autre baptême. Car celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, qui a cru à la bonne nouvelle. Tu as cru, c'est vrai. Tu as cru et tu as bien cru. Tu as cru et tu as bien cru. Alléluia. Et puis on te dit, mon frère, on va te faire un coup de baptême pendant trois jours pour te former, pour te donner un régiment. Après trois jours, après quatre jours, après un an, on va t'emmener dans le baptême. Dis à mon frère, je n'en veux pas de ce baptême. Je n'en veux pas de ce baptême. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas un baptême selon la bonne nouvelle. Mais ça, c'est un baptême selon celui qui t'enseigne, mais pas selon Dieu. Car le véritable baptême ne se fait pas par un coup de baptême. On le fait à partir du moment où on a cru. Et à tout instant, en tout lieu, là où il y a de l'eau, fais-toi baptiser. Pourvu que tout ton corps soit dans l'eau. Car le baptême veut dire mourir avec Christ, ressusciter avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si on a pris un flacon et puis on t'a aspergé, comme si t'es pas qu'on soufflait sur toi. Mon frère, on t'a pas baptisé. Alléluia. Amen. C'est les moustiques qu'on voulait simplement tuer, mais pas un baptême. Car un corps volontaire, on le met entièrement dans la terre. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire enterré. Amen. Amen. Mais pourquoi enterrer? Parce que tu dois naître de nouveau. Ton ancien homme, alléluia, doit rester en terre. Et tu dois naître de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme qui suit la parole. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et après qu'il lui prit de la nourriture. Après qu'il lui prit de la nourriture. Les forces lui revinrent. Matthieu chapitre 4, 18 à 22, oui. Mais le Seigneur lui dit. Le Seigneur lui dit. Va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Que j'ai choisi. Est un instrument que je choisirai. Non, que j'ai choisi. Que j'ai choisi. À quel temps? Passé. Oh, passé. Ton sang de trace était un homme choisi de Dieu. Était un homme choisi de Dieu. Mais il s'appelait Saul. En son état, c'était un. Dis à ton frère, jusqu'à ce que le Seigneur te croise, fais ce que tu pourras. Mais le jour où il t'a croisé, c'est ton terminus. Alléluia. Amen. Un homme qui suit la parole. On ne force pas un homme à suivre la parole. Non. Mais c'est Dieu lui-même qui vient convaincre qui afin que celui-ci puisse le suivre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, mon frère, viens pas divorcer. Viens pas divorcer. Qu'on me suive. Il ne te suivra pas. Parce que Dieu ne l'a pas encore appelé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 6, verset 44. Jean chapitre 6, verset 44. Jean 6, verset 44. Jean chapitre 10, verset 14, verset 15. Oui. Nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi. Si le Père qui m'a envoyé ne l'a-t-il. Nul ne peut venir à moi. Si le Père qui m'a envoyé l'a-t-il. Alors dis à ton frère, ce n'est pas toi qui dois attirer quelqu'un. Car celui que Dieu a appelé viendra. Amen. Amen. Nul ne peut venir au Père. Nul ne peut venir à moi. Si le Père qui m'a envoyé l'a-t-il. Fais ton travail et continue. Amen. Car Dieu fera son travail. Amen. Le Seigneur a toujours travaillé avec les apôtres. Eux, ils font leur part et le Seigneur fait sa part. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on prie avec toi? Amen. Un homme qui suit la parole. Oui. Et je le reçois.
ressusciterai au dernier jour. Merci. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et je le ressusciterai au dernier jour. Mes frères et sœurs, regardez encore de quelle manière les apôtres ont été appelés. Parce qu'on a vu ici son état à ce qui a été appelé. Ce n'est pas quelqu'un qui vient vers son seul. Vous comprenez Jésus? Jésus t'aime. Donc on dit donne ta vie à Jésus. Mais lui-même, il cherchait ce qui disait donne ta vie à Jésus. Alléluia. Il dit voilà un peu comme attachez-le. Alléluia. Parce que c'était un chasseur des disciples du Seigneur. Amen. Il y a des gens qui chassent rats, d'autres qui chassent biches. Mais plus c'est les disciples qui chassent. C'est son travail. Alléluia. Amen. C'est devant un tel homme qui va dire mon frère aime Jésus. Il va dire voilà. Voyons comment, mais quand ton œil est arrivé et que tu es choisi de Dieu, il te frappera sur ton précis et tu feras la voie qui vous suit. Alléluia. Alléluia. Quand mon frère, tes frères sont durs, tu es têtu. Mais dis à mon frère, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Alléluia. Amen. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Amen. Amen. Dis à ton frère, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Toi, fais ton travail et continue. Fais ton travail et continue. Et quand l'heure de Dieu frappera, vous allez voir ce qui va se passer. Combien de fois amen. Un homme qui suit la parole. Un homme qui suit la parole. Oui, Matthieu chapitre 4. Matthieu 4, à partir du verset 18. Oui. Comme il marchait le long. On est fatigué? Non. On va pousser un peu? Amen. Est-ce qu'on peut faire notre. Oui. Matthieu 4, à partir du verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée. Qui marchait? Jésus. Jésus-Christ marchait. Oui. Il vit deux frères. Il vit deux frères. Simon. Simon. Appelé Pierre. Appelé Pierre. Et André son frère. Et André son frère. Attends. Simon. Appelé Pierre. Et André son frère. Mon frère, quand Dieu rentre dans une famille, s'il a pris un frère, il va prononcer l'autre frère. Il a pris une soeur, il va prononcer l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Marie et Marc. Marc et Lazare. Ne dis pas frère. Si. Ah, mais donc vous lancez, c'est comme ça. Dis à ton frère, c'est comme ça que je travaille. Comme ça que je travaille. C'est pas de ma faute. Alléluia. Amen. Mais toi, c'est ton père. Il faut dire, c'est la même chose. Alléluia. Amen. Ah, c'est ma tante. Mais il faut qu'elle soit là pour que toi, tu sois là. Amen. Alléluia. Amen. Car ça commence par un et puis ça prend tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'était. Pierre et André son frère. Oui. Qui jetaient un filet dans la mer. Donc c'était des pêcheurs. Car ils étaient pêcheurs. Ils étaient pêcheurs. Il leur dit. Suivez-moi. Suivez-moi. Qui a dit de le suivre? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais attends, regarde, sois le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà quelqu'un qui passe et puis il dit, suivez-moi. Et on s'est mis à le suivre. Mais on va dire que tu as comment? Alléluia. Celui qui te voit, il me tombe, tu as comment? Alléluia. On ne suit pas quelqu'un comme ça. Mais Jésus te dit, André, suis-moi. Mais si André est bête et que Pierre est intelligent, Pierre peut dire, mais toi aussi, toi, tu es intelligent. D'où est-ce que tu connais ce monsieur-là? Alléluia. Amen. Un enfant comme ça, toi, le suis pourquoi? Parce que Jésus avait 30 ans quand il commençait. Alléluia. Amen. Et c'est dans cette vie, il a dit à qui? Pierre, suis-moi. André, suis-moi. Mais deux femmes mieux que un. S'il a bragué un, l'autre peut dire, mais toi. Donc, si l'entrée vous blaguez, faut pas le suivre, un enfant, vous faites pas le suivre. Mais dis quoi? Suis-moi. Oui. Et je vous ferai pécheur d'or. Et je vous ferai pécheur d'or. Mais attends, jeune homme, arrête de foutre de nous. Nous sommes des pêcheurs de poissons. Et puis on sera pêcheur d'or. Ça veut dire quoi ça? Depuis quand on parle de pêcheur de poissons à pêcheur d'or? Alléluia. C'est normal qu'on ne te suive même pas parce que toi, tu n'es pas normal. Mais malgré ça, ils l'ont suivi. Alléluia. Malgré son jeune âge. Marie qui dit quelque chose de nouveau. Alléluia. On lui a dit. Oui, la réponse était quoi? Aussitôt. Il laissait le filet. Aussitôt il laissait le filet. Dis à ton frère aussitôt. Aussitôt. Amen. Un homme qui suit la parole. Ce n'est pas parce que tu veux. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas. Mais c'est parce que Christ l'a voulu. Ça ne dépend pas de toi. De celui qui veut, de celui qui court, mais de celui qui appelle. Qui t'a appelé?
Alléluia. Amen. Dieu nous fait qui t'a appelé. Qui t'a appelé. Alléluia. Amen. Tant que Dieu ne t'a pas appelé, tu vas te balader. Faire figure, descendre, monter. Tu n'iras nulle part. Parce que Dieu t'a pas encore appelé. Alléluia. Amen. Aussitôt il le suivait. Oui. Et le suivit. Oui. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères. Jacques. Oui. Fils de Zébédée. Oui. Et Jean son frère. Oui. Qui était dans une barque avec Zébédée le père. Il y avait encore combien de frères ici? Deux frères. Jacques et Jean. Deux frères. Oui. Et qui réparait leur filet. Il les appela. Et aussitôt. Il laissait la barque et le père. Et le père. Oui, et le père. Et le suivit. Jésus parcourait toute la Galilée. Merci, frère. Alléluia. Alors Jésus-Christ a rencontré les frères et il a dit, suivez-nous. Les frères ont pas dit, mais on te suit là, on va où? Ils l'ont suivi sans réfléchir. Ils ont abandonné travail, père, alléluia, occupation, et ils l'ont suivi. Quand le Seigneur t'appelle et que c'est l'heure, ne regarde ni à gauche ni à droite, ne fais pas comme la femme de l'autre qui a regardé en arrière alors que le Seigneur était venu les a appelés. Sortez de là, parce que là où vous êtes là, c'est le lieu de la mort. Bientôt il sera frappé. Sortez de là. Ils ont dit non, il y a la joie, la cause qu'il faut. Mais quand tu parles de quoi d'abord? Mon intérêt, les gens sont ici, c'est bien ça. Mais ils n'ont pas vu cette mort en série qui allait venir. Ce ravage terrible de la vie, Sodome et Gomorrhe. Dieu a dit, l'autre sort. Amen. Sort. Et quand l'autre est sorti, l'autre est sorti avec sa femme et ses deux filles. Alléluia. Lot n'était pas à Sodome et à Gomorrhe parce que Lot était un pécheur. Non. Alléluia. Mais Lot était à Sodome et à Gomorrhe parce que Lot avait un rôle à jouer à Sodome et à Gomorrhe. Car en Dieu, il n'y a pas de hasard. Et Dieu fait tout un but. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Alléluia. Tu es ici, c'est pour un but. Alléluia. Tu es dans tel emploi, c'est pour un but. Tu es dans tel commerce, c'est pour un but. Tu es dans tel quartier, c'est pour un but. Tu es avec X ou avec Y, c'est pour un but. Dieu ne fait rien au hasard. Alléluia. Amen. L'homme était un homme juste qui était allé jouer un rôle à Sodome et à Gomorrhe. Quand son heure était arrivée, alors il fut mis dehors. Parce que l'homme avait vu qui est-ce qu'il devait suivre. Amen. Un homme qui suit la parole. Dieu a parlé, mais Dieu a envoyé deux anges, des êtres humains. Où? À Sodome et à Gomorrhe. Alléluia. Des êtres humains. Un homme qui suit la parole. J'ai détesté la parole d'un homme. J'aime. Alléluia. Parce que c'est l'image visible du Dieu invisible. Car Dieu, quand il veut sauver l'homme, il envoie l'homme pour le sauver. Dieu ne descendra pas les ailes pour sauver l'homme. C'est impossible. Alléluia. Dieu envoie toujours un homme vers un homme pour le sauver. Mais est-ce que ces hommes sont intelligents pour savoir que Dieu leur a envoyé un homme? Alléluia. Quand Dieu a envoyé Jésus-Christ, ils ont dit, mais Jésus-Christ, toi, t'es qui? Toi, un enfant pour ça. Toi, tu n'as pas la malédiction. On ne t'a pas vu dans une école quelconque ici. Mais toi, tu peux t'apporter quoi? Mais pourtant, Jésus-Christ était ce que Dieu leur avait envoyé. Qu'il devait suivre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il devait suivre. Pourquoi? Parce que c'était la parole faite d'homme, chair. Et non, qui suit la parole. On ne voit pas la parole. Mais elle se voit au travers d'un être humain. Alléluia. Alléluia. Donc un homme qui suit la parole doit suivre un être humain dans lequel il y a la parole. Est-ce que vous comprenez pas? Amen. Est-ce que vous avez la photo? Amen. Alléluia. Amen. Dieu l'a sauvé sans les tasses. Et Dieu l'envoie vers Ananias. Alléluia. Dieu l'a sauvé l'autre de Sodome et de Gomorrhe. Dieu l'envoie deux êtres humains qu'il a appelé ange. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu ne change pas sa façon de faire. Il arrive et il appelle Jean. Jacques, il appelle André et il appelle Pierre. Suivez-moi. Et le suivant, mon de mon Timothée. Paradis à Timothée. Et Timothée t'accepte. Timothée, fais sur toi-même et sur ton enseignement. Car en persévérant de cela, tu te sauveras toi et tu sauveras ceux qui te coûtent. Alléluia. Dieu pour sauver l'homme, envoie l'homme pour le sauver. Regardez l'histoire du riche et de Lazare. Alléluia. Dans Luc chapitre 16,
été enterré, il a été enseveli. Lazare aussi est mort. Mais quand Lazare est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont venus le prendre pour l'envoyer au Père. Alléluia. Dans le Sénat. Alléluia. À ce lieu précis, quelque chose s'est passé. C'est maintenant que le riche va se rendre compte que ce qu'on disait sur la terre était la vérité. Mais c'était déjà trop. Dis à ton frère, c'est trop tard. Depuis le temps, tu annonces la bonne nouvelle. Tu dis non. C'est quand toi tu as vieilli d'abord. Mais tu dis à l'âge de l'âge à laquelle tu as mouru. Alléluia. Tu dis non. Toi, tu n'as pas encore le temps. C'est demain que tu vas le faire. Mais tu ne sais pas à quelle heure. Tu dis non. Toi, tu vas d'abord faire le coup de baptême. C'est une bonne chose. C'est une excellente résolution. Mais si tu meurs en faisant le coup de baptême, tu vas. Mais quand tu as fini de faire ton coup de baptême et que tu as été baptisé, et puis tu meurs, tu es devant le Seigneur. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Non, j'ai fait un coup de. Il va te dire, montre-moi dans le livre la partie qui dit qu'on doit faire un coup de. Alléluia. Alléluia. Tu seras jugé en fonction de ce qui est écrit. Alléluia. Jean chapitre 12, 46 à 49. Tu seras jugé en fonction de ce qui est écrit. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Celui qui achète, celui qui étrange, celui-là, c'est de sa part. C'est pas une fonction de l'âme de. Le meilleur moyen de savoir que tu n'es pas sauvé et que tu vas à l'enfer quand tu es encore en vie, c'est de faire un coup de. Alléluia. Tu es sûr à quoi ça pousse que tu vas à l'enfer. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. On vient plus fortement. Amen. On va vérifier. Jean chapitre 12, à partir du verset 46, verset 48. Je vous verset 6, verset 48. Jean 12, 46. Oui. Matthieu 12, 36 à 37. Oui. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Afin que quiconque croit en moi. Afin de quiconque croit en moi. Ne demeure pas dans les ténèbres. Celui qui croit en moi ne va pas demeurer dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles. Si quelqu'un entend mes paroles. Et ne les garde point. Et ne les garde point. Ce n'est pas moi qui le juge. Moi je ne le juge pas. Ton Dieu te dit ce matin. Il ne va jamais te juger. Mais il y a quelque chose qui va te juger. Oui. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Christ n'est pas venu pour juger le monde, non, mais pour sauver le monde. Oui. Celui qui me rejette. Celui qui me rejette. Et qui ne me reçoit pas mes paroles. Et qui ne reçoit pas mes paroles. À son juge. À son juge. Alors qui est le juge? Nous on veut le voir. Oui. La parole que j'ai annoncée. La parole que j'ai annoncée. La parole que j'ai annoncée. Non. Qu'est-ce qui va juger les hommes? La parole qui était déjà à. Non, c'est. La parole qui était déjà à. Non, c'est. C'est elle qui va juger l'humanité. Mais où est-ce qu'on peut trouver la parole qui a été annoncée? On la trouve dans le livre. C'est pour cette grande raison. Lorsque nous parlons, nous vous disons exactement les paroles déjà à. Non, c'est. Comme la parole elle ne peut pas s'annoncer elle-même, alors il faut un homme qui parle de cette parole. Et qui parle de cette parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour être sûr que tu seras jugé et condamné, il faut faire ce qui n'est pas écrit. Ce que tu n'as jamais vu. Alléluia. Il faut faire ce que tu n'as jamais vu. Parce que ce qu'il a vu là, il a écrit. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. C'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même. Ah. Je n'ai point parlé de moi-même. Qui parle? Jésus-Christ. Il dit, moi Jésus-Christ, je n'ai pas parlé de moi-même. C'est-à-dire que ce qu'il dit là, ça ne vient pas de moi. Mais ça vient de qui? Alors celui que Jésus-Christ a envoyé, toi dis ce que Jésus-Christ a dit. Parce que ce que Jésus-Christ a dit vient de Dieu. Mais pourquoi toi? Tu dis autre chose. Et tu amènes le peuple à faire autre chose. Alléluia. Un homme qui suit la parole se conforme à ce que Christ a dit. Amen. Amen. Alléluia. On ne peut pas être sauvé en marchant comme ça. On est sauvé par rapport à ce qu'on a entendu. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ a parlé. Ce que Dieu a envoyé, toi dis les paroles de Christ. Pour que vous soyez sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Un homme qui suit la parole. Ce n'est pas n'importe qui. Cet homme, c'est un nègre. Qui ne mange pas n'importe quelle sorte de nourriture. Qui ne mange pas la nourriture articotée. Non. Qui ne mange pas les animaux. Mort, alléluia, mais qui mange des animaux frais, alléluia, car Christ était vivant, amen, et il leur a dit, celui qui ne mange ma chair, il n'y a pas celui qui ne mangera ma chair, il celui qui ne mange ma chair, et qui ne boit mon sang, alléluia, amen, alléluia.
frère. Ce que je dois dire est... Attends, mon frère. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut continuer à trouver de vœux? Amen. Regardez ce que le Seigneur dit. Mais pour ça, je suis. Mais le Père. Le Père. Qui m'a envoyé. Quitte à toi, hein? Voyez. Quitte à toi, hein? Voyez. Oh, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Mais toi, quelles sont les paroles que tu dis? Et qui t'a envoyé? Amen. Tout ce que tu dis n'est pas écrit. C'est inventé. Parce que c'est basé sur la tradition des hommes, sur les coutumes de ton village, de ton campement, du quartier, du pays. Alléluia. Je confesse sur les réseaux sociaux. C'est ce que tu viens dire. Mais dis à ton frère, qui t'a envoyé? C'est qu'on prenne dans ton village, c'est ce que tu veux faire dans le prière. Mais qui t'a envoyé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de qui est-ce que tu parles? Au nom de qui est-ce que tu parles? Toi qui attaches fil blanc et fil rouge ensemble. Alléluia. Dans le lieu de prière, qui t'a envoyé? Toi qui envoies les gens à faire des canaries avec tout ce qu'ils font à l'intérieur pour les jeter à minuit au carrefour, qui t'a envoyé? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Qui t'a envoyé? Amen. 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 Toi qui résides les parties des écritures, des psaumes à 1 heure, à 2 heures, mais qui t'a envoyé? Alléluia. Amen. Parce que les sorciers ne le doutent. Récite les sommes à une certaine heure. Alléluia. Amen. Mais toi qui t'as envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Quel est cet homme que tu suis? Amen. 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 Qui allie la tradition à Christ. Amen. Un homme qui suit. Oui. Matthieu 12, verset 26 à 37. Vous êtes pas fait? Oui. Je vous le dis. Je vous le dis. Au jour du jugement. Au jour du jugement. Les hommes rendront compte. Les hommes rendront compte. De toute parole vaine qu'ils auront proférée. De toute parole vaine qu'ils auront proférée. De toute parole vaine qu'ils auront proférée. Alors, vous n'êtes pas proférer la parole vaine qu'il faut. Exactement, proférer ce qui est. Il a dit le mot. Ce qui est prescrit. Alléluia. Alléluia. Amen. Un homme qui suit là. La parole là, on ne la voit pas. C'est quelque chose qui est prononcé. Mais c'est prononcé de la façon avec quel homme bouche. Tu as dit, deux personnes seront sur un même lit. Il y a une qui sera prise et l'autre sera laissée. Mais qu'est-ce que les deux personnes ont entendu? Alléluia. Il y a une qui va dire, oh, mais ça va, non, moi je vois le temps. Mais ça, c'est pour toi. Il faut garder. Deux personnes seront dans un même champ. Il y a une qui sera prise et l'autre sera laissée. Mais on marche ensemble tous les jours. On dort ensemble tous les jours. On travaille ensemble. On est ensemble au quartier. On fait tout ensemble. C'est bon. Mais on était passé le même jour, d'accord. Mais est-ce que vous obéissez à la même manière? Jésus-Christ a dit à André et à Pierre, viens, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit à Jean et à Jacques, viens, qu'est-ce qui s'est passé? Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Non, je vais pas d'abord, je vais réfléchir. Tu deviens intégrate. Je vais réfléchir. Amen. Je pense à ton, je suis. Mais dis à ton frère, il faut avancer. Il faut avancer. Car il y a un homme qu'il faut regarder, qu'il faut suivre. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une parole que tu entends. Mais cette parole ne sort pas du ciel. Ça sort de la bouche d'un être humain. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux, tu veux pas. C'est comme ça Dieu opère. Alléluia. Amen. Alors prie. Tout cet homme et suis-le. En ce moment, tu suivras, tu écouteras la parole de ton Dieu. Amen. Car la parole, on ne l'entend pas. On l'entend, mais on ne voit pas qui parle. Mais pour voir qui parle, trouve l'homme dans qui le Seigneur parle. En ce moment-là, tu seras rassuré parce que tu as vu la parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On fait amen fortement. Amen. C'est pourquoi celui que Dieu a envoyé dit les paroles de... Il n'ajoute pas. Il est l'étrange. Ah. Malheur à quiconque ajoute l'étrange. Timothée, fais sur toi-même et sur ton enseignement. En persévérant ces choses, tu te sauveras et hey, tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Amen. Pourquoi celui qui est assis en face soit sauvé? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être celui qui. Amen. 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 C'est pour moi. Il dit en Jacques chapitre 1, verset 3, qu'il y a très peu de personnes qui enseignent. Pourquoi? Parce qu'ils sont jugés très sévèrement. Alléluia. Mais pour quelle raison le Seigneur dit cela? Parce que simplement, celui qui enseigne est la bouche de celui de Dieu qu'on ne voit pas. Amen. 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 Alléluia. Amen.
obéissance à la parole de Dieu. Voici le péché. Ce n'est pas non, j'ai menti, j'ai volé. Non, j'ai triché. Non. Mais c'est la désobéissance. Dieu a dit, mais est-ce que tu as obéi? C'est pourquoi deux personnes seront couchées sur le même lit. Il y a une qui sera prise. Celle qui sera prise, c'est elle qui aura obéi. Amen. On vous parle de l'enlèvement. C'est une bonne chose. Mais le Dieu dont vous voyez parler de le voir quand et quand, il utilise toujours des êtres humains. Mais c'est en cela que beaucoup sont perdus et beaucoup se perdent. Dieu l'a envoyé Noé au jour du déluge. Les gens disent, mais Noé, toi, tu es sous l'arbre. On va pas te suivre. Mais Noé avait la parole. Et c'est ainsi que les gens ont été sauvés. Ceux qui n'ont pas vu Noé, qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas suivi, ne sont pas sauvés. Et ils ont été tous emportés par le déluge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait aujourd'hui la difficulté de la foi. Parce que tu montes, tu descends. Il faut que tu écoutes la parole. Alléluia. De la bouche d'un homme. Maintenant, prie Dieu qu'il soit un homme de Dieu, qu'il soit envoyé pour sauver ton âme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.